Allez, le gaz lacrymogène qui est réutilisé à nouveau. Canon à utiliser. Beaucoup de gaz lacrymogène utilisé, il y a eu une charge. Alors, il y a eu la colère de quelques manifestants parce qu'il y a un drapeau palestinien qui était tombé au sol, qui a été saisi par les forces de l'ordre. Il faut savoir que ce sont près de 4200 policiers et gendarmes qui sont mobilisés aujourd'hui. C'est un dispositif extrêmement conséquent. J'ai au moins pu voir 6 canons à eau mobilisés dans le dispositif aujourd'hui, ce qui est un dispositif extrêmement important.
Voilà, donc là, les manifestants sont dispersés un petit peu partout. Il y a des policiers qui sont intervenus. Il faut savoir qu'il y a des manifestants sur plusieurs points. Donc là, les manifestants se sont regroupés ici. Et là, vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là en face.